Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont pris place ici en Égypte durant les derniers jours. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien après cette petite pause. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Et commençons tout de suite par les activités présidentielles. En fait, on trouve que M. le Président Abdel Fattah el-Sissi a fait un appel téléphonique pour s'enquérir de la santé de Trump et pour réitérer sa condamnation de la violence et du terrorisme. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sissi a effectué cet appel téléphonique avec l'ancien président américain Donald Trump pour s'enquérir encore une fois de son état de santé à la suite de la fusillade à laquelle il a été exposé, lui souhaitant ainsi la sécurité et réitérant sa condamnation de toutes les formes de violence et d'actes de terrorisme et de haine. Le chef de l'État a également souligné les liens étroits entre les deux peuples amis et la profondeur du partenariat stratégique entre les deux pays, ce qui a été apprécié par M. Trump et qui a remercié le président pour ce geste aimable. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés, Dr. Badr Abdelhat, a reçu au palais de Tahrir au Caire son homologue soudanais Hossein Awad, selon déclaration faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En fait, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des expatriés a réaffirmé le soutien de l'Égypte au peuple soudanais, insistant sur les efforts du Caire pour mettre fin à la crise. Selon le communiqué du ministère, le chef de la diplomatie a rappelé aux pays et aux organisations donateurs la nécessité pressante de respecter les engagements lors des conférences de Genève tenues en juin 2023 et de Paris tenues en avril 2024 auprès du gouvernement intérimaire au Soudan des pays voisins qui accueillent des réfugiés soudanais. Les deux ministres ont de même discuté des initiatives régionales proposées pour faire face à la crise soudanaise et ont souligné le rôle central joué par les pays voisins du Soudan, en particulier l'Égypte. Cette dernière fait de grands efforts à ce moment crucial de l'histoire soudanaise, selon les déclarations des ministres soudanais. Le Caire avait accueilli le 7 juillet une conférence entre les forces politiques et civiles soudanaises en présence de nombreux représentants africains et internationaux. En fait, à l'occasion de la révolution du 23 juillet, le président Abdel Fattah el-Sissi a adressé ses voeux au peuple égyptien via son compte Facebook et ça sur les réseaux sociaux. Il a publié, je cite, « Je salue le peuple égyptien, sa grande armée, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet, qui a marqué une épopée de l'unité égyptienne pour la prospérité de notre nation » et ajouter un chapitre brillant à notre histoire contemporaine, portant ainsi les significations les plus nobles du sacrifice pour la souveraineté et l'intégrité de cette patrie. À l'occasion du 72e anniversaire de la révolution du 23 juillet, le président Abdel Fattah el-Sissi a prononcé un discours au début duquel il a jeté la lumière sur cette date qui a changé l'histoire de l'Égypte et de la région. Les grands peuples, avec en tête le peuple de l'Égypte, ont l'habitude de tirer deux leçons de l'histoire, selon les termes propres de M. Abdel Fattah el-Sissi. Nous avons appris de la révolution de juillet de ne jamais renoncer à l'indépendance nationale et de préserver la dignité de la patrie et du citoyen, de déployer le maximum d'efforts, quelles que soient les circonstances, pour renforcer la justice sociale et protéger les catégories nécessiteuses. C'est ce qu'a précisé M. le Président dans son discours. Tout de suite, un commentaire. À l'occasion du 72e anniversaire de la révolution du 23 juillet, le président Abdel Fattah el-Sissi a prononcé un discours, au début duquel il a jeté la lumière sur cette date qui a changé l'histoire de l'Égypte et de la région. Les grands peuples, avec en tête le peuple de l'Égypte, ont l'habitude de tirer les leçons de l'histoire. Nous avons appris de la révolution de juillet de ne jamais céder à l'indépendance nationale, de préserver la dignité de la patrie et du citoyen, de déployer le maximum d'efforts
quelles que soient les circonstances, pour renforcer la justice sociale et protéger les catégories nécessiteuses, a précisé le président dans son discours. La révolution de juillet a enraciné le rôle pionnier de l'Égypte dans son cercle arabe et africain, ainsi que sa grande contribution dans la protection des droits et intérêts des pays du Sud dans tous les continents. Rôle que l'Égypte a gardé via des démarches actives, a ajouté Sissi. La glorieuse révolution de juillet a fixé le rôle actif de l'Égypte dans son environnement arabe et africain et sa grande contribution à la défense des droits et des intérêts des pays du Sud sur tous les continents du monde, ce que l'Égypte a maintenu à travers un rôle actif et de leadership dans divers forums internationaux. L'Égypte a suivi le rythme des changements d'époque s'ouvrant au monde, s'efforçant d'améliorer ses capacités économiques d'investissement urbain et industriel et s'intégrant dans le système commercial mondial, avec un souci constant de protéger autant que possible l'économie nationale contre les fluctuations et les chocs de l'économie mondiale et en travaillant à travers des systèmes intégrés et efficaces pour fournir la protection sociale nécessaire. L'Égypte a également préservé sa terre, hein, sa souveraineté et son indépendance, et a établi une paix basée sur la justice et la reprise de la terre, tout en adhérant fermement aux droits et intérêts de ses frères, en particulier les frères palestiniens, en protégeant leur juste cause contre la liquidation et en travaillant intérieurement et intensément pour soutenir leurs droits légitimes à un État indépendant et souverain. L'honorable et le généreux peuple égyptien, l'Égypte est allée de pair avec les changements, s'est ouverte sur le monde, s'est efforcée pour améliorer ses capacités économiques, industrielles et d'investissement. L'Égypte s'est impliquée dans le système commercial mondial tout en s'attachant à préserver l'économie nationale tant que possible contre les fluctuations mondiales, a indiqué le président. Le vice-premier ministre pour le développement industriel et également ministre de l'Industrie, des Transports, Kamel El Wazir a souligné la profondeur de relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis et a de même confirmé le souci d'approfondir cette coopération bilatérale tous azimuts. Le ministre a tenu ses propos lors d'une entrevue avec l'ambassadrice des États-Unis au Caire, Hero Mustafa Karg, notant avoir évoqué les opportunités de raffermissement de la coopération dans les secteurs de l'industrie et de transport durant la prochaine période. Donc, pour avoir plus d'explications, vous devez être très attentif à ce reportage. Le vice-premier ministre pour le développement industriel, également ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir, a souligné la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, qui remontent à une longue histoire, et a confirmé le souci d'approfondir la coopération bilatérale tous azimuts. Monsieur Loisir a tenu ses propos lors d'une entrevue avec l'ambassadrice des États-Unis au Caire, hein, Hero Mustafa Garg, notant avoir évoqué les opportunités de raffermissement de la coopération dans les secteurs de l'industrie et des transports durant la prochaine période. L'Égypte est déterminée à promouvoir le secteur de l'industrie, étant la locomotive du développement économique global et durable, a-t-il signalé, tout en soulignant l'importance de la coopération avec le côté américain pour soutenir l'industrie égyptienne et localiser les industries locales, compte tenu des rapports étroits liant les deux pays, surtout dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, la production d'hydrogène vert, la fabrication de panneaux solaires, les usines d'énergie éolienne et les industries vertes avancées, dans le but de faire de l'Égypte un centre de fabrication de produits américains dans ces domaines, puis l'exportation vers les pays arabes et ceux de la région. Le ministère des Transports a-t-il signalé avait élaboré un plan global pour la création de 31 ports à sec et zones logistiques dans toute la République, tout en affirmant l'importance de la coopération dans ce domaine avec les entreprises américaines soucieuses d'investir sur le marché égyptien, aussi bien que la coopération dans les domaines énergétiques étant le moteur principal du travail des usines et de tous les aspects de la vie. Pour sa part, la diplomate américaine a affirmé le rôle stratégique que joue l'Égypte dans la région
et les relations fortes liant les deux pays, signalant que le côté américain tenait à conforter la coopération commerciale avec l'Égypte pour en faire un axe d'exportation vers la nation arabe. Elle a noté que le dialogue stratégique entre les deux pays aurait lieu en septembre prochain, lequel sera suivi de la tenue à Washington du comité économique conjoint, tout en faisant état de l'examen de la signature d'un mémorandum de coopération couvrant plusieurs domaines pour refléter les efforts déployés conjointement par les gouvernements des deux pays pour raffermir la coopération. Quant au ministre de l'Aviation civile, M. Samah El-Hefni, il a reçu au siège du ministère une délégation de l'Union des femmes investisseurs arabes, conduite par son chef, Rodayas. Dans un communiqué publié lundi, l'Union a déclaré que l'entretien avait examiné les cadres de coopération conjointe. Le ministre a mis l'accent sur l'importance de l'autonomisation de la société civile et du secteur privé pour établir des partenariats dans le cadre du plan du ministère concernant les systèmes d'aviation lors de la période à venir. M. El-Hefni a fait la lumière sur les détails de ce plan, comprenant en priorité la sûreté de l'aviation et de l'espace aérien, l'amélioration constante de la qualité des services, l'octroi aux passagers et aux touristes aux aéroports des facilités nécessaires, la modernisation et l'amélioration du réseau d'aéroports et la fourniture de la protection sécuritaire et assurantielle nécessaire en vigueur dans les aéroports internationaux. Le ministre de l'Aviation a souligné que le plan du secteur de l'aviation civile égyptienne s'est intéressé à élargir l'éventail de la coopération dans toutes les activités de transport aérien avec les frères africains, en particulier en matière de formation, d'échange d'expertise, d'ouverture de nouvelles lignes afin d'activer le marché de transport aérien en Afrique. Pour sa part, Mme Rodayas a fait un aperçu sur les activités de l'Union des femmes investisseurs arabes depuis sa création en 2025 et a présenté le plan d'action future sur l'organisation du 27e sommet et conférence intitulé L'investissement arabo-africain et la coopération internationale, placée sous le patronage du Premier ministre et qui aura lieu au gouvernorat d'Assouan du 11 au 15 novembre prochain. Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salahedine, s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Asmat, de l'avancement de la coopération en matière de gestion des déchets solides municipaux. Cette rencontre a noté, M. Salahedine s'inscrivait dans le cadre des directives du président Abdel Fattah Sisi et du suivi continu par le Premier ministre de ce dossier, tout en affirmant l'importance de projets mis en place dans ce cadre, surtout les projets de transition vers l'énergie propre et qui contribuent à préserver l'environnement et à s'adapter aux éventuels changements climatiques en sus de leurs bénéfices pour la santé des citoyens. Dans le domaine sportif égyptien, les hommes de Rogério Micallef comptent bien poursuivre sur le bon parcours lors de la CAN de jeunes de 23 ans, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes de la CAF. L'an dernier, l'Égypte s'est brillamment qualifiée pour le tournoi olympique de football masculin. Ils se sont inclinés en finale 2-1 face au Maroc après prolongation. Cette courte défaite a donné aux Pharaons un surplus d'ambition à l'approche de Paris 2024. Entraînés par Rogério Micallef, les Égyptiens se sont illustrés par leur solidité et leur cohésion collective qui lui a permis de ne pas encaisser de but lors de 4 des 5 rencontres disputées à la CAN des jeunes de moins de 23 ans. La défense égyptienne devra se montrer tout aussi impénétrable en France pour espérer décrocher une médaille qui serait la toute première de l'histoire du pays. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, nous devons clôturer cette édition de notre édition de Mediocar. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.